Et salut tout le monde les amis, c'est Playcal Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront et vous pouvez pas savoir à quel point je suis excité. Non, c'est pas ce que vous pensez les gars, je suis très content. Déjà je ne suis pas tout seul, je suis avec 5 autres gars. Voilà, je suis avec AY Mainen qui sera mon partenaire pour cette vidéo. Bonjour Ouais. à toi. Et qui, vous l'avez sûrement reconnu, a participé à mes 3 tournois de Battlefront. Je suis avec Mash qui est en train d'installer Salut. ce que je vais vous en parler après. Il y a Kylo Ren qui ne l'a tout simplement pas. Bonjour. Il Salut. rigole. Nous avons Typhon qui participera aussi. Et Ouais, et tu me Hugo suis en qui dernier. vous connaissez depuis longtemps, T-Rex JP00A, qui a complètement foutu la merde dans sa PS4 et qui doit réinstaller le jeu. Voilà. Et il y a Riyad qui vient de nous rejoindre. Bonjour Riyad. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro. Ah oui, bah bonjour au revoir Riyad. Donc les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Rogue One Scarif. Il est arrivé, il est là. Désolé si je vous ai pas fait une vidéo hier. Oui, parce que toi tu as foutu la merde. Voilà, parce que regardez, nous avons le U-Wing, nouveau véhicule des rebelles en fond. Donc les amis, je vais vous par... Ah, Ewry Manen a bugué, bon il va revenir. Bien joué, ouais. Ah oui, et donc, pour information, les amis... Ils ne font pas de Rogue One pendant toute la non, vidéo. Je le ravite. Ouais, ravite-le. Donc les amis, okay. J'ai beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Tout simplement, vous pouvez voir à gauche que le menu a changé de Star Wars Battlefront. Maintenant, il n'y a plus jouer, collection, stats. Voilà, là. Vous pouvez voir à gauche la mission VR, donc la mission VR de Rogue One sur le mission X-Wing VR. Voilà, ouais. Où il faut télécharger justement la version du jeu pour pouvoir y jouer. Et pour ça, il faut avoir la PlayStation, le PlayStation VR et une PlayStation caméra. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué. De toute façon, vous avez qu'à lire. Je me mets pause un petit peu. Voilà, je vous dis de mettre pause maintenant. Voilà, mettez pause pendant la vidéo. Voilà, parce que je n'y reviendrai peut-être pas. Voilà, donc les amis, j'ai beaucoup à vous parler aussi dans les collections. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, désolé les amis, vu que j'ai pas fait de vidéo, j'ai geeké à mort. Bon, j'ai pas geeké sur Rogue One, je ne connais pas le but du jeu et tout. C'est juste Typhon, il m'a un petit peu expliqué, mais moralement, hein, ouais, j'ai pas fait. Vu avec les yeux. Mais les amis, vous pouvez remarquer que j'ai l'imploseur Sonic, voilà, qui est la carte étoile du DLC Rogue One. Oui, je l'ai, mon gars. Voilà, donc qui est comme un imploseur un normal, un imploseur thermique, sauf qui aveugle et qui fait un petit peu de dégâts, mais pas beaucoup, hein, vraiment un petit peu. C'est juste l'aveuglement qui est utile dans cette carte étoile. Donc il y a aussi les nouvelles armes, dont la DT-29 et la A-180 que nous avons. Voilà, donc la DT-29 qui est l'arme de Orson Krennic, donc le directeur Krennic qui est le héros des Impériaux. Ouais, ouais, je l'ai. Et la 180 qui est l'arme de Jean, qui est un pistolet blaster. Je vais vous dire comment faire dans les contre-huts, comment les avoir. Vous inquiétez pas. Et il y a aussi une nouvelle arme que j'ai testée dans une survie ou dans une bataille, je sais plus. Je pense que vous la connaissez, c'est la Beau Rifle CJ9. Mais pour l'instant, on l'a pas encore en contrat, les gars. Vous l'avez, vous, la CJ, la Beau Rifle? Vous l'avez? Non. Non, bon, elle n'y est pas non. encore disponible au contrat hut. Bon, cette fois, je vais vous parler des contrats hut. Alors, les amis, voilà, donc j'ai beaucoup geeké. Un nouveau skin. Oui, nouveau skin. Attends, mais attends, laisse-moi parler, putain. Putain, c'est le capitaine Short Trooper. Panda. Ouais. Je crois qu'il il va pas pouvoir rejoindre parce que le nombre maximum de personnes dans la partie, c'est 6 et on est 6. Bah mets là 8 parce que je sais pas qui c'est qui a changé là, mais c'est ma partie vocale donc je fais ce que je veux. Donc arrêtez de changer, d'accord. Alors, tu mets à 8 ou 7. Voilà, mets à 8, mets à 8. De l'apparence. Donc voici la 180, donc le contre-hut, la solution de Jean. Donc pour ça, il vous faut bah d'abord l'acheter qui coûte aux environs de 8000 crédits, je crois. Je crois que c'était ça, 8000 crédits, ouais. Donc pour avoir cette arme, il faut tout simplement... C'est très facile, franchement, c'est très facile à les avoir. Il faut tout simplement cliquer. Faire
25 kills au pistolet blaster, donc moi j'ai pris la SE, mais vous pouvez choisir des L44, des H17, des L18, enfin ce que vous voulez que ce soit un pistolet blaster, voilà. Il faut faire 30 kills au fusil blaster, parce que moi j'ai pris la 280C, mais vous pouvez jouer E11, la 280C, EE3, EE4, enfin les fusils blaster, voilà. Et pour finir, il faut faire 20 kills au fusil de précision, dont le fusil de la LT19X, la T21B, mais moi j'ai pris la Rail B, et d'ailleurs je vous conseille la Rail B. Et voilà, comme ça vous aurez la 180, vous inquiétez pas les gars, on va pouvoir jouer après. Ensuite il y a l'offensive de Krennic qui est la DT29. Alors pour l'avoir, bah il faut l'acheter, pareil, 8000 crédits. Et pour l'avoir, c'est un petit peu compliqué, mais ça va. Il faut faire 25 kills avec Krennic, voilà, donc vous incarnez Krennic, le héros, et puis bah voilà, vous l'avez. Voilà. Ensuite, il faut utiliser 10 boucliers personnels. Bon, ça, je vous laisse utiliser. Ouais, je vous laisse prendre votre bouclier personnel et l'épuiser pour rien. Oh, excusez-moi. Et pour finir, il faut faire 50 kills au pistolet blaster. Donc, vu que vous avez fait comment 25 kills pour avoir la 180. Donc, je crois qu'il vous reste aux environs de. Les gars, 25 plus combien est égal 50, je me rappelle plus. Vu que je suis nul en maths. Hugo, aide-moi, putain, aidez-moi les gars. 25 plus combien est égal à 50? 25. Ok, d'accord, il fallait juste que je dise le même nombre. Donc 25, donc il vous reste encore à faire 25 kills avec la... Avec la quoi? Avec un pistolet blaster, donc n'importe lequel. Mais vous pourrez utiliser votre nouvelle arme, hein, la 180. Je peux... les gars, laissez à 8 la partie vocale, là. I1A ne peut pas rejoindre. Non mais de toute façon il s'est déco. Bah il m'a envoyé un message. Ah bon? Il vient de m'envoyer un message. Invité joueur, je le vois plus. Ah c'est bien. Waouh, ouais. Et enfin, la carte étoile. L'imploseur Sonic. Alors pour ce faire, faut l'acheter. Je crois que c'est 8000 crédits ou un petit peu moins cher. Depuis de la vidéo, je m'ennuie. Bah en même temps Hugo, vu la connerie que t'as fait. Donc les amis, pour ce faire, il vous faut aveugler 25 ennemis. Donc soit vous utilisez la grenade aveuglante, ou soit les amis, vous incarnez Jean en héros, donc en affrontement héroïque, ce que vous voulez, et elle a l'imploseur sonic dans ses attributs, et bah je crois que c'est triangle, même c'est maintenir triangle, et comme ça vous aveuglez les ennemis. Et il faut faire, là franchement j'ai galéré les amis pour l'avoir, il faut faire 15 kills avec la grenade à impact. Bon, moi perso j'ai pris le bouclier, le jackpack et la grenade à impact, plus berserker pour leur faire mal, mais franchement ça m'a mis du temps. Franchement, je sais pas pour vous les gars, mais bah surtout toi Typhon qui a le DLC. Mais franchement, moi ça m'a pris du temps. Et enfin, pour le grenadier niveau 2, donc là, Blazer Sonic niveau 2, il faut faire 30 kills en incarnant Jean. Voilà, ça c'est facile, vous prenez Jean, vous incarnez, voilà, là, vous tuez. Il faut faire 5 kills avec la Blazer Sonic, donc je pense que ça compte avec Jean, je sais pas. En fait, on s'en fout, en fait. Non, ils s'en foutent pas, mes abonnés. Ouais. Toi, tu t'en fous peut-être, mais pas mes abonnés, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Surtout Hugo. Ouais, bah, ils peuvent les voir, hein, dans les contrats HUT, ils vont dans les contrats HUT, ils voient tout ce qu'ils doivent faire. Ouais, mais s'ils ont pas le Season Pass. Et bah ils l'achètent et puis voilà. Et s'ils ont pas envie? Et s'ils ont tout simplement pas les moyens? Et bah alors ils vont se faire enculer. Ah bah moi je te dis, c'est toi qui va te faire enculer. Charlie tout ça. Oui, pas très commode, hein. Donc, et enfin pour finir, le skin. Moi je dis bien le skin des impériaux. Bah je vais d'abord le montrer. Oui, tu vas en parler. Non, deux. Alors, il s'appelle le Capitaine Short Trooper. Si je prononce voilà, les amis, regardez là. Il est là, le beau Capitaine Short Trooper. Moi, je le trouve par stylé. Par contre, hein. Il faut passer au rang 100, par contre. Voilà, il faut l'avoir en 100. Le rang max maintenant, c'est 100. Ils ont rajouté que petite précision, je suis rang 92, vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Et j'ai beaucoup de crédits, comme vous pouvez le voir. Donc, j'aurai les moyens de l'acheter. Il y a NY My Name qui peut pas rejoindre, qui a des bugs. Et when, ouais. Ouais. Donc voilà, vous pouvez voir que mon ratio a un petit peu augmenté. Avant j'étais j'étais 1,38, maintenant je suis passé 1,43 de ratio, qui je trouve être pas mal. Je veux qu'on mette dans les commentaires RIP la connexion des Wen, par contre. Oh oui, RIP la connexion des reps, hashtag RIP. Ils ont rajouté que 10 niveaux alors qu'avant ils en ont rajouté 30. Voilà, donc on est bien, on approche du rang 100, les amis, on approche du rang 100.
Voilà, donc j'ai Ouais, bah déjà c'est pas pour affronté moi. un gars. C'est quand même un petit peu. Hein, il faut quand même beaucoup jouer hein, pour être ensemble. J'ai déjà affronté un gars ce matin. Je vous l'ai pas dit. Bah, le mercredi matin, donc je suis pas sûr de Pareil, poster la pareil, vidéo. rançon, le Le stream rançon, mercredi, il était direct rançon, rançon. il était beau, il était sur Trooper. Voilà, écoutez. Donc Ah les oui, et amis, je crois que tu as parlé de perdons pas Kaneki, de la garde du patience. corps. Nous allons La jouer garde du à corps. Rogue One Scarif. Rogue One. Typhon, es-tu prêt à rejoindre la partie? Non, franchement, C'est je peux pas. Chronique, Non, je déconne, Kaneki, la vas-y. garde du corps, Et la puis bah panique. lance. Et puis bah désolé pour ceux qui l'ont pas, voilà, pour Mash qui ne l'a pas Rip encore à et vous, on Kylo vous Ren aime quand même, et bisous. Hugo, voilà. Les Mais t'écoutes abonnés, ce que je dis, prenez merde! du plaisir à regarder la vidéo, surtout restez jusqu'au bout. Alors infiltration, pour réussir leur mission, les rebelles doivent établir une tête de pont sur Scarif. L'Empire doit les arrêter. C'est parti les amis, on lance Scarif, on va découvrir le mode de jeu de Rogue One parce que Et les t'as amis, ce oublié de sera dire, la première fois. je le dire vu que tu l'as pas dit, mais Chronique a des gardes du corps maintenant qui ont un pleuseur et une roquette et un cryocellule. Oui voilà, Et t'as vu je l'ai pas l'attaque qu'ils font dit. par contre? Ouais, voilà les amis, on est C'est bon, je suis impérial, là. c'est parti. Genre Ah, Kylo Plagio Ren, il y a Scarif, un c'est une bug, de mes préférées que j'ai. je pensais que t'étais là, tu vois. Alors, infiltration, Ouais, splash moi de aussi. Scarif. L'attaque de Scarif est en Par cours et contre, les par là. rebelles tentent de créer une tête de pont à sa surface. S'ils y parviennent, On fera ils aussi un petit devront affrontement créer héroïque une si. diversion pour aider leurs alliés. Ces derniers tentent de réaliser une opération dont la réussite est vitale au succès de la rébellion. Voilà. Panda, tu vas aussi faire un affrontement héroïque pour leur montrer les rôles si t'arrives pas à les incarner. Ouais, voilà. Bon sinon les amis j'ai Au pire, testé ce s'il y que a un j'en pense, badge. les amis, ce que j'en pense, franchement ce DLC est l'un Ouais. des meilleurs, franchement je l'aime bien. Parce que j'ai testé les Mais deux c'est héros, bon ça. je préfère plus Jean que Krennic, mais franchement les deux sont pas mal. Voilà Ouais, donc c'est perso, moi je parti. préfère Jean aussi. Ouais, donc c'est parti les amis, Et nous allons enfin qu'est-ce que jouer je voulais à... dire? Ah oui, est-ce que Rogue t'as... One Attends Scarif. deux secondes. What the fuck? Oh le... J'ai le short trooper? What the fuck? Mon gars, attends, ça m'a mis que je pouvais avoir le short trooper. Donc c'est parti, TIE, déploiement des U-Wing. C'est Ouais. parti les amis. Première phase. Oh, c'est tellement beau. En fait, là, tu peux être choisir aléatoirement pour être un U-Wing et aller jusqu'à la porte bouclier. Oh, c'est Ouais, tellement c'est pas stylé. Oh, le bâtard. J'en C'est étais vraiment sûr. stylé, Oh, on va un petit peu baisser la et sensibilité. tous les héros ont des nouvelles capacités. Bah, Luke, Leia, Han Oui, mais Solo, ça, j'en parlerai après. J'en parlerai Grogu. après. Là, pour l'instant. Mais Ouais. t'es là, je suis en train de Et leur parler. Panda, est-ce que Ouais, t'as pensé bah à ouais, dire à tout le mais. monde d'activer leur autorisation à être diffuser leur voix là, je sais plus Ouais, si il y en a qui en partie. ont. Il y en a qui y sont, c'est bon. Je vais vérifier quand même parce que je crois paramètres de la partie, je crois que c'est ça. Ah, il va passer dans le portail, Toujours lui. Donc, autorisation. le but, les amis, Typhon, je te laisse expliquer. Hein, j'allais t'appeler Pigeon. Allez, vas-y, Typhon, je te laisse Si tu veux, fais expliquer. comme tu veux. Je te laisse expliquer le but du jeu. Ouais, Vas-y. j'essaie de faire le mieux que je peux parce que là en jouant c'est chaud. What? Attends, je me suis crashé, c'est trop bizarre, je touchais rien. Bref. Putain, mais En t'expliques ou fait. le crotte? Ouais, Bon, je vais Kylo Ren, expliquer. il faut que tu te taises hein, pour qu'il explique. Pour qu'il explique. Ouais, en fait, si tu veux, sur ce nouveau mode de jeu, t'as trois Parle phases, fort, une dans hein, les Typhon. Hein. airs et. De quoi? Parle assez fort, hein. Ouais, en fait, si tu veux, dans ce mode de jeu, il y a trois phases. Une où t'es dans les airs et l'autre. Et les deux autres où t'es au sol. Donc la première phase, les rebelles, ils doivent amener leur U-Wing à la porte bouclier qu'on voit là-bas. Et nous, en étant impériaux, on doit les empêcher d'y aller, puis vice-versa si t'es d'autres camps. Et pour la deuxième phase, en fait, on doit détruire des vaisseaux qui sont posés au sol, mais on doit amorcer des bombes, mais je sais plus comment ils s'appellent ces vaisseaux-là. Et la troisième et dernière phase, en fait, les rebelles ont des voleurs. Et ces voleurs, on doit récupérer ce qu'ils transportent pour pas qu'ils aillent livrer à leur vaisseau à eux pour s'évader. Donc j'ai expliqué en bref là, si tu veux plus de détails, tu me dis. Donc voilà, c'était l'explication de notre cher Typhon. Par contre, je sais pas pourquoi on peut pas attaquer le wing là. Le mec, puisqu'il est très haut dans les airs, il a trouvé la technique. Oh là là, le Je suis bâtard. encore à 800 mètres de Vous lui. m'avez dit qu'on prend un affrontement vrai pour le tuer, on leur montre les héros. Par contre, ce que j'adore sur cette phase là dans les airs, c'est qu'on se sent vraiment tout petit par rapport à la planète qui arrive derrière en fait. Merci Hugo de ne me pas envoyer de message, je suis en vidéo, s'il te plaît. Ah, Ewen m'a invité. Ah Ah, ouais, moi aussi, Panda. mais je peux pas rejoindre. Je suis Bah, désolé tu pour veux que je lui. l'invite? Ouais, essaye, essaye. Bah, je vais dans les paramètres de la partie et Ah, j'invite. Panda, ce que Mais j'ai dit ou quoi? c'est qui remet toujours les nombres de joueurs maxi à 6 là? Ah, le wing s'est Ah, approché, c'est Panda? bon.
Là, quand tu me dis quand tu iras en affrontement héroïque, ok, pour que je puisse jouer avec vous. Ouais, mais je joue à Rogue One là, tu vois. Dans cette vidéo-là, mais ou quoi? Tu vas bien faire un affrontement héroïque après. Ouais. Ça veut dire combien de temps qu'on est en vidéo? Ah, elle va durer aussi longtemps que le DLC. Oh là là, il va réussir. Voilà, il a ouais, réussi. Là, il va passer. Infiltration, la diversion. Stylé, ouais, il a trouvé la technique. Ah, je trouve ça j'allais dire technique, mais je trouve ça stylé comment il passe le portail. Boom. Ils sont passés en vitesse lumière ou... Ils sont passés en vitesse lumière. Allez, c'est parti les amis. Hop. DT29, c'est parti. On prend notre. C'est qui? Attends, là faut que je remette. Ah ouais, j'ai le short trooper mon gars. Bah vous pouvez voir le short trooper les amis. Je sais pas, moi j'ai du gratuit le short trooper. Non, c'est pas le short trooper. Le capitaine short trooper, bah regarde. C'est un autre. Est-ce que t'as le motif orange et bleu sur son torse? Bah regarde s'il te plaît pour moi. Attends, t'es où? Je suis là. Non, tu l'as pas en fait, t'as le même que moi. Ah ok, c'est le normal, ok. Ouais. Je suis en vidéo. Hein. Donc les amis, c'est parti. Espérons avoir le héros pour vous le tester. Sinon, ça sera un affrontement héroïque et je serai super. Ouais, sinon, ouais, ça sera un affrontement héroïque. Si je joue pas trop l'objectif, c'est parce que j'essaie de mettre des clips au plus cycleur pour mon prochain montage. Aïe. J'ai failli mettre, tu vois. Je vais essayer de désamorcer quand même. Arrête, j'ai failli me fumoucher dessus à cause de toi. Ah, ils sont vraiment trop beaux, hein. Oula. Enfin. Ah, il a rejoint enfin. Edward in my name. J'ai bugué un truc de malade, je sais pas ce que ça a fait, du coup j'arrivais pas à rejoindre. Et Wayne, si dans les commentaires tu vois rip ta connexion, c'est normal en fait. D'accord. Ah, il y a j'aurais le héros Shock Trooper qui est Krennic. Ouais, il y a Krennic qui est arrivé. T'es vers où là pendant? Ah ouais, je suis derrière toi. Voilà, bon, pas grave, on aura Krennic peut-être dans la suite. Bah j'espère que tu l'auras pas. Bah moi j'espère, tu vois. Oui, mais parce que j'ai envie de faire un affrontement héroïque, c'est pour ça que j'espère que tu l'auras pas. Ouais, mais le affrontement héroïque, tu vas le faire dans cette vidéo là ou... Ouais, bah aussi. Oui. On l'a DT29, franchement, moi je la trouve plus cheatée que la 180, mais la 180 est pas mal aussi, hein, les amis. Elle est pas mal, franchement, elle est pas mal du tout. Ouais. Ah oui, et pendant qu'on en parle de ce nouveau DLC qui vient de sortir, qui à mon avis est bien, j'ai eu quelques vidéos dessus. Et bah, pendant qu'on en parle, il y a aussi deux modes dans l'étoile de la mort, oh, c'est Force au droïde et cargaison. Hein, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Ouais, mais ça je dirais après, parce que là on se concentre sur Rogue One. Les vidéos sauvegardées, parfait. Allez. Bon, je suis dans la file d'attente. Ah. Bah à mon avis il y a des gens qui vont quitter. J'espère. Ouais. Et Panda, tu fais tes montages sur un logiciel ou pas? Shark Factory. Ouais, pareil. Tout simple. Voilà, DT29, en deux coups vous avez votre gars. Hein. Tu penses qu'elle va être patch vu qu'elle est un peu cheat quand même? Ouais, c'est vrai. Le prochain patch il arrive dans une semaine parce qu'il y a des bugs qui sont apparus. Ouais. Ah, Krennic, ouais, c'est. Krennic va bientôt crever. Y'a qui est pas en partenaire avec quelqu'un? Moi je suis partenaire avec Typhon du coup. Ah ok. Ah bah du coup y'a personne. Là, c'est pas grave au pire. Oh non, c'est même pas de faire. Et franchement les amis, je trouve la map super belle. Elle est trop belle. Non, il y en a pas qu'une. Elles se ressemblent un peu toutes, mais elles sont. En fait, il y a tellement d'endroits où aller. En fait, genre la dioxys, elle nous fait mal. Celle de la dioxys de. Depuis quand la dioxys de Krennic nous fait mal? Elle m'a fait mal, moi. Ah oui, Germain, c'est le but en fait, c'est cheaté. Ouais, mais c'est à Krennic, c'est-à-dire c'est aux impériaux, c'est à nous. Ouais, on est impériaux, nous. Ouais, bah donc, je sais pas pourquoi elle me fait mal du coup. Ah, Krennic est mort. Ouais.
Mec, réfléchis, mec, on est impérieux. Comment tu, on devrait être blessé par un mais c'est parce héros qu'il y a un qui est ennemi qui notre. est mis Dioxys, peut-être. En même Bah temps non, que lui, parce il a qu'il un a mis son pote. Ouais, bouclier. et Pendant, je disais avant. Ouais. Ouais. Les maps, elles se ressemblent un peu toutes. Oh, je le crois qu'il wig. y en a trois. Mais. Oh putain, il y a un mec là. Oh. Mais en fait, genre, elles sont tellement chargées en végétation qu'en fait, tu passeras quasiment jamais deux fois au même endroit sans te rendre compte que. Ouais. J'ai déjà passé quoi en fait. Du coup, t'as l'impression qu'il y en a des. Une multitude de mains. Je vais mettre un Ah, mais j'adore, j'adore, franchement, j'adore. Là, vous pouvez voir le wing là qui passe là avec le canonnier. Oula, je me suis fait défoncer avec une roquette. Ah, bah, pour une première partie, on est pas mal. On est sur le classement. Oh, bah, on est dans le classement, fait. Ouais, mais on est premier. J'ai récupéré un vaisseau par terre et j'ai pas pu aller dedans. Tu dois être dans le fighter. Je sais ouais, pas, tu dois être dans le fighter TIE. Ouais, c'est bien ce que tu dis, tu dois être dans le fighter. Mais je suis dans rien en fait, là je suis un bonhomme normal, je me sens beaucoup. Oh là 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 là. Je fais du. Je fais du 2-14. Oh, t'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Si tu veux, je t'enverrai un screen. Tout à l'heure, j'ai fait une super bonne partie, je faisais au moins du 41, 21, truc comme ça. C'est même plus. Mais t'es nul, moi je fais du 74. Allez, allez, on est pas mal, les amis, on est vraiment pas mal. Hop, toi tu meurs. En fait, du coup, vu que le DLC est sorti, j'ai quand même eu le DLC ce matin, vu qu'avec la connexion ça a mis 10 ans à changer. Et ben, tu vois, on connaît pas encore toute la map, du coup, en même temps on découvre. Oh, je l'ai Ouais. eu. Ouais. Wow. Bandai, il y en a un qui va devoir quitter par contre, aussi. Voilà. Non, tout le monde reste. Si je vous ai invité, c'est que. Vous deviez rester. Ah bah Ryan, tu l'as pas invité, Ryan. Ouais, mais il parle pas. Donc je pourrais pas l'exclure parce que je suis en pleine vidéo. On pourra pas faire d'affrontement Rogue vu qu'on est... Pour l'instant, on est en Rogue One, là. Donc franchement, les amis, j'espère qu'on va avoir un héros. Je sais pas où sont les jetons. Franchement, je peux pas vous dire. Ah, mais on attaque les marcheurs, je sais, mais là, non. Est-ce qu'en mode combat il y a le truc du coup? En mode combat là, en mode. Ouais, ouais, il y a les héros, il y a les héros, ouais, tu peux les incarner. Mais oui, mais il y a la map plage de Scarif? Non, 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 bah s'il n'y a pas les maps de Death Star, à mon avis, c'est que. Bah de Bespin, c'est qu'il n'y a pas. C'est qu'il n'y a pas comment? Ouais, non, oui, j'ai compris. Quand t'aveugles un ennemi, ça fait plus combien? Plus 10, non? Plus 11 même. Plus 11? Ouais, donc là j'ai aveuglé 3 mecs et je sais plus combien j'en ai à aveugler encore pour le contrat. Il y a pour 25 en tout. 25. J'ai eu plusieurs Sonic là du coup. Okay. Mais t'as fait les. Je fais un score plutôt pas mal, je fais du 26. J'ai pris la classe de Panda. Ah. Attends, mon partenaire. Du 26 17 pour la première partie de Rogue One. Et je fais du 16. Du 6-16, enfin, coucou. Putain, mais ça m'énerve là, ça fait 2 ans que je suis dans la vie. Ah, j'ai trouvé ça, la TL, c'est 29. Y'a pas de héros en face et nous, y'a toujours pas notre héros là, genre un jeton là. Non, mais dans la partie prochaine, c'est sûr qu'on a un. Mais... Hop, on va lancer la poseur Sonic. Voilà, elle est bientôt finie la partie là ou pas? Non, on est à 2 minutes de la deuxième phase. Oh là là, j'ai trop mal. Et il y en a combien? Il y en a 3. Oui, non, mais elle dure combien de temps? Ah! Je sais plus. Elle dure 2 minutes 15. Là, il y a 2 minutes 15 là, découlé. Il reste plus que 2 minutes 15. Elle doit durer un peu. Ouais, près bah, 10 je vais attendre fois, encore. Mais ma punk est foutue de partir. Faut camper, Panda. Faut le faire rager. Ouais, ouais. T'inquiète. Bon, on se débrouille plutôt pas mal hein, pour une première partie. Toi, ouais, moi non. Ah ouais. Oh, t'inquiète pas. La prochaine sera meilleure. Oh non. Comme il est mort, lui. Il y a un rebelle, il est mort. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Ah, il faut désamorcer là-bas.
Là, je suis un peu plus en mode team play. Il s'appelle comment l'imploseur que t'as déjà? De quoi? L'imploseur Sonic. Infiltration, l'extraction. Ah, voilà. Ils ont détruit. Donc voilà la deuxième phase, si j'ai bien compris. Voilà, donc comme dans le film, en fait, ça spoil un petit peu le film. Et là, du coup, là, tu vois le spawn des rebelles, là, actuellement. Vas-y, au pire, c'est pas grave. Allez, c'est parti, c'est parti. Est-ce que l'imposeur Sonic, il fait Ionic en même temps? Non. Par contre, là, je te conseille vivement de rusher pour les stopper dès le début. Sinon, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Je les aveuglais, moi. Ouais, j'ai aveuglé personne. Oh, j'ai eu un mec qui avait la caisse. Tu vois, là, faut surveiller les enregistrements. Surveiller, ok. Dire, faut les empêcher de les prendre. Ouais, voilà. Ok, bah je vais surveiller lui parce que je trouve qu'il est proche là. Oh, voilà. Y'a un mec, faut attaquer là, j'y vais. Ah bah il est mort. Ah le bâtard, il avait trop de vie. Je vais pas rejoindre. Est-ce qu'on pourra avoir le héros sur cette map? Bah sur cette partie. Cette phase, ouais, je crois. Oh la plusieurs thermique. Ils sont en train de galérer ou quoi là à prendre le truc là? J'ai l'impression. Ouais, ils sont en train de galérer. Bon, franchement, nous on va rester sur la DT29. Ah, le point d'extraction est là-bas. Ok, faut les empêcher d'aller au point d'extraction. Ouais, de toute façon, le point d'extraction est quand même assez loin là, pour l'instant. Ouais, j'aurais pas réussi à vous rejoindre. Oula, je me fais tirer dessus, j'ai peur. Voilà, le point d'extraction est là. Franchement, c'est une belle map, hein, Scarif. Hein, c'est une belle map. Là, vous pouvez voir les Street Fighter, les nouveaux TIE. Les Fighter TIE, là, je crois. En fait, Scarif est une belle planète tout court. Ouais, carrément. Bon, EYMNM aurait dû participer, mais vu comme il a eu un petit bug. Ok, là, il commence à y aller, là. Il commence à y aller. Faut les empêcher. Ouah, j'ai mal visé ma roquette. Je sais comment les faire rager. Dès que tu tues quelqu'un, tu fais une émote. Oh, t'inquiète, hein. J'ai aveuglé plein d'ennemis. Ouais, ils sont deux là, ils sont deux. Voilà. Là, ils sont beaucoup ici. Tu vois, ce qui est chiant, c'est que là, on peut pas aller trop loin plutôt. Après, on est hors zone. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et j'ai plus que 14 de vie, c'est un peu la merde. On s'en sort plutôt pas mal, hein. Moi, je fais du 39, hein, du 39-24, alors que c'est la première partie. Franchement, c'est bien. Ah. Et en fait, et là, par contre, là, ils ont pris. Mais ils peuvent en avoir pas mal, des enregistrements, donc. Faut faire un peu gaffe. Genre là, il y a un mec qui arrive, il est pas loin. Je vais attaquer. Et en haut, à côté du temps, tu vois la progression des ennemis. Ah, il y a Jean Erso. Faut faire gaffe. Ok, il y a Jean. Ouais. Là, par contre, c'est la merde. Là, par contre, c'est la merde. Si le mec ne sait pas la gérer, c'est vrai. Pour nous. Parce que, il faut la prendre en main, en fait. Ok, il y a Jean là-bas. On la voit. C'est quoi ton attaque préférée avec Jean? C'est la matraque. Les matraques, ouais, franchement, ouais, j'adore. Surtout quand t'en as 9 sur 9 là, c'est pas mal. Oula, y'a un mec qui arrive là. Je vais surveiller. Ah, mais on peut pas surveiller en fait, on est hors zone. Hop là. Ouais, je l'ai pas vu. Ce serait tellement stylé si on aurait le héros. Tu fais un bon score toi. Ouais, je sais pas comment je fais. Oh! Sur le en côté. Fait, Star Wars, c'est très aléatoire. Soit tu fais vraiment quelque chose de bien,
Soit franchement, ouais, voilà, voilà. Tu as raison. Hop, il faut attaquer là. Ah, ils arrivent. Je sais pas pourquoi. Je suis bien là, je suis sur le vaisseau. Ouf. Bien joué. Allez, 1 minute 36 là. Bon, ça vaut pas le coup d'avoir le héros, je pense. Tu m'as dit qu'il reste une vague. Une vague après, non, là, ça c'est la dernière phase. Ah, c'est la dernière là? Ouais, dans 1 minute et 16 secondes, s'ils ont pas livré un truc, ben on a gagné. Ah bah, je pense qu'on va gagner. Hein. Ouais. Et j'ai complètement fait mon accusation. Hop. Nous avons cloué les rebelles sur place. Bon bah, dans 59 secondes, franchement, s'ils ont pas ramené, on a gagné. Ah, il hein. Y a Jean Erso. Oh putain, il y a un mec qui m'a soigné à la Bacta, c'est cool. Hop. Ce qui est bien, c'est que maintenant on peut soigner ses héros à la Bacta. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça qu'ils ont beaucoup amélioré. Alors, il y a Jean là-bas. Ça rajoute 10% de vie, je crois. Il y a Jean là-bas, regardez. Hey, comment tu fais une même partie? Moi, j'ai merdé là. Oh! Il y a Jean, on l'entend. Oui. On a réussi. Mais j'ai toujours pas compris c'était quoi ce genre de bouclier chelou là dans les airs. Mais tu vois le truc dans les airs là, dans la première manche. Hop tu vois là. Quand c'est un peu en chelou là. Et que ouais. Faut que le ah mais c'est la porte bouclier. Ouais, voilà. Voilà les amis, on a gagné. GG à tous. Et voilà, je suis mort. Attends. Attends. Ah oui, voilà, ouais, victoire. Je sais pas, je voyais la barre de progression. On a fait du 50-28. What the fuck you? Sans le héros en plus. Donc les amis, on va pas se laisser là. Voilà, on est dans le classement. Voilà, donc c'est tout pour Rogue One. Bon, moi franchement ça m'a plu hein. Donc les amis, maintenant ça vous dirait de rejoindre un affront mérite pour, que je montre les héros aux abonnés. Mec, tu peux, vous pouvez pas refaire encore un peu de Rogue One s'il vous plaît? Bah là on va faire un affrontement héroïque, on va pas faire attendre ouais. NY Mainen. Là je suis en train de faire une survie, j'ai pas envie de recommencer en fait. Oh vous voulez faire un match privé? Non, du lean mec. Comme ça on gagne du crédit, ou enfin comme tu veux, comme tu veux. Ouais mais vu le nombre qu'on est, ça va être chaud de trouver une dites-moi les joueurs s'il vous plaît dans la partie vocale s'il vous plaît. Riyad, tu peux enlever parce que il a pas de micro et c'est seul qui. Okay. Bah, voilà. Tous ceux qui jouent pas à Star Wars. Bah, Riyad, pourrais-tu quitter la partie vocale s'il te plaît? S'il te plaît, Riyad. C'est qui? En fait, tu quittes et tu rejoins après, comme ça qu'on pourra voilà. Créer. Voilà, bloquer la partie, les gars, bloquer la partie à 6. Allez, vite! Voilà, les amis, donc regardez maintenant, mon ratio il a augmenté de 1,44, voilà. Donc les amis, match privé ou Non, match en ligne. Je dis match en ligne, il y a combien qui jouent là? On est combien à jouer? 5? Bah on est 6. Bah il y a Kylo Ren, Mainen et Typhon. Attends, non merde, je t'ai demandé en partenaire. Ouais. Bah au pire les gars, ça vous dit un match en ligne? Voilà, on va leur montrer le match en ligne. Mais pour trouver une partie avec autant de personnes, ça va être chaud. En jeu de base. C'est parti. Ah j'ai trouvé une partie. Ah mais t'es... Ah non, moi j'ai rien dit. C'est bon, moi j'y suis. Rejoignez celle de Kylo. Je suis là. Mais non, c'est bon. T'aurais dû rester, hein. Rejoignez, non, rejoignez quitter, les gars. En fait, quitter. Non, vas-y, on quitte. Trop tard. J'ai rejoint, mais ça m'a fait partir. Ah bah, trop tard pour rien. En fait, il y avait pas assez de place pour 5 personnes, vu que match il est pas encore... Au pire, si vous voulez, c'est un match privé. Ouais, on vas-y, match privé, ouais, vas-y. Oh non, bah attends, du coup, je suis dans le chargement. Bah, je mets campement Jawa. Ah, mais. Ah non, ouais. Mais mec, j'ai 3 places. Non, en fait, mais non, mais parce que Ayama Imani, il est encore en train de charger. Ouais, du coup, faut attendre que. Donc, je vous dis la miniature de la vidéo, les amis, la miniature de la vidéo, ce sera celle-là, voilà, Rogue One Scarif. Moi, je trouve qu'elle est super bien. Hop. Nous allons voir un petit peu dans collection. Tout le monde a le DLC donc. Enfin, pas tout le monde a le DLC, du coup je mets que celle de base. Ouais, vas-y. Attends, vas-y. Bah attends que ça quitte. Bah attends, hop, confirmé.
Vous inquiétez pas, après on fera du multi, mais ce sera pas en vidéo par contre. Là, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc, les amis, j'aimerais vous parler aussi des héros. Voilà, donc Kylo Ren nous avait mentionné dans quelques minutes. Il y a quelques minutes. Voilà, donc, les amis. Je vous invite. Ouais, vas-y, invite-nous. Ouais, alors. Oula, mais pourquoi ça met le trooper là maintenant? Moi, je ne veux pas le trooper. Merci. Deux secondes. On m'a pas invité. Voilà, donc Luke, bah vous en avez peut-être entendu parler déjà dans d'autres vidéos de Battlefront.fr là, qui est un gars qui un youtubeur hein, pardon, qui comment, qui informe la communauté de Battlefront, ceux qui jouent à Star Wars, voilà, pour tout le monde, les différentes informations qu'il reçoit de, ou qu'il apprend de, des développeurs sur Star Wars Battlefront, les mises à jour, les informations. Et je vais vous en parler justement, mais même si vous l'avez déjà vu peut-être. Luke a été amélioré, bah, à une habilité qui lui permet de courir plus vite à chaque fois qu'il fait un kill. Donc niveau 1, il court assez vite. Niveau 2, il court vite. Et niveau 3, il court trop vite. Voilà. Donc Han Solo, je crois que c'est sa, ouais, c'est sa cadence de tir de la Del 44 qui lui permet de faire des kills de loin, qui lui permet de faire des dégâts plus loin. Donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et pour Leia, c'est un petit peu la soutien. Tifo, faut que t'invites Kylo Ren. Ouais, mais je suis un ami, donc faudrait que quelqu'un le fasse. Mais je demande un ami, moi. Leia, c'est un petit peu la soutien. Donc, elle, ses habilités lui permettent, ses attributs lui permettent d'être résistante. Un peu comme. Un peu comme Dengar, où il peut pas mal encaisser de dégâts sans trop prendre cher. Et bah, Leia, c'est pareil. Donc, non, ne me promouvois pas parce que ça me fait un bug, je peux pas inviter des amis. Et je viens de me mettre. Lando, bon, Nyonnep, bon, vous connaissez la tourelle qui peut s'améliorer. Leia, une tourelle? Non, Nyonnep. Je sais pas, t'as dit Leia, je crois. Non, j'ai dit Nyonnep. C'est bon. Il y a aussi Lando, Lando, vous connaissez, qui a la gâchette facile qui lui permet de faire des coups critiques, voilà, qui peut faire très très mal. Et enfin, il y a Chewbacca, voilà, dont. Ces tirs, donc ces multiplicateurs de tirs, donc vous pouvez tirer beaucoup plus d'arbalètes laser, de tirs d'arbalètes laser. Voilà, donc ça n'a pas trop changé, mais il a été amélioré. Même sa vitesse a été améliorée, mais pas trop. Ouais. Et pour finir, Jyn Erso, voilà, qui est ma préférée, qui lui permet, en tuant beaucoup de gars et en blessant des héros, bah, d'avoir beaucoup plus de matraques. Parce que les matraques, c'est pas illimité, il y en a 9. 9, c'est le maximum. Voilà, tu peux lancer Tifo. Hein. Ok. Et voilà. au début, dès que t'incarnes Jyn, je crois que tu commences. Ouais, par 3 ou 4, je crois. Je sais plus. Voilà, donc nous sommes les impériaux. Donc je vais vous montrer le directeur Krennic. Et ensuite, dit qu'on sera des rebelles. Ah bah, quittez. Ah non, c'est bon. T'es sérieux? Bien, c'est bon. Oui, non, attends, je quitte quand même. Non, mais je sais pas, ça m'était parti trouver. Puis après, à la dernière seconde, ça m'a mis. Bon, pour l'instant vous quittez, je parle des héros impériaux. Donc les amis, maintenant on passe au héros impériaux. Maintenant Dark Vador, vous le connaissez peut-être. Il est le tank des impériaux, voilà. Plus il y a des ennemis qui sont à côté de lui, qui vont tenter de l'abattre, plus sa défense, plus il a plus d'armure, voilà. Donc si par exemple il y a un ennemi sur lui, son armure va augmenter de 1. S'il y a 8 ennemis, son armure va augmenter de 8. Enfin, etc, etc. En fait, l'empereur, je crois, si j'ai vu la vidéo de Battlefront.fr, je crois que l'empereur a des habiletés qui lui permettent au niveau 3, il a carrément les éclairs infinis. En fait, ces éclairs peuvent se recharger beaucoup plus vite. Et à chaque fois qu'il fait un kill, ses éclairs rechargent au lieu d'attendre qu'il n'utilise plus les éclairs et que ça recharge, voilà. Donc, Ah, mais du coup, vous êtes plus dans la partie, vous? Ouais, ouais, moi j'ai quitté parce qu'il y a Ewan Manning qui. Oh, je crois que c'est Ewan Manning. Partie trouvée, mais en fait, non. Ça m'a mis partie trouvée, ça m'a mis accès à la partie en cours. Puis en fait, du coup, j'ai quitté. Ok. Ma partie trouvée, en fait, ça bug et du coup, en fait, ça ne fait jamais rejoindre. Du coup, Typhon, je te laisse nous réinviter. Il y a aussi Boba Fett qui, lui, un peu comme l'empereur, peut se recharger, mais vous devinez peut-être qu'il peut recharger son jetpack. Donc voilà, vous ne devez pas attendre. Vous pouvez carrément au niveau 3 voler tout le temps, voilà, à l'infini voler, si vous faites des kills, parce que sinon ça va pas marcher. Et il y a aussi une autre habilité aussi
c'est que il a un scan, une espèce de détecteur à impulsion qui lui permet de repérer des ennemis à plus de 20 mètres, je crois. Voilà, au niveau 3, au niveau 1, c'est un petit peu moins compliqué. Mais par contre, Boba Fett, moi je dis, c'est à tester. Hein. Alors il y a Dengar, mais je pense que vous connaissez. Déjà, putain, voilà, parce qu'il encaisse beaucoup plus de dégâts que d'habitude et il est beaucoup plus résistant que quand vous l'avez connu. Ouais, j'arrive. Il y a Greedo, bon ça n'a pas changé, son exploseur de confiance, sa grenade, voilà, vous connaissez le vrai Greedo. Il y a aussi Bosk, dont bah, il a toujours sa régénération quand il tue des ennemis ou quand il blesse des hauts. Et enfin, directeur Krennic, qui lui je trouve est assez... comment? Je sais plus ce qu'il a Krennic déjà comme habilité. Il a un truc avec une sorte de robot avec un... Non mais tu sais son attribut là, genre non, par exemple Bosk lui permet de se régénérer, je sais plus. Je sais pas ce qu'il a Krennic. Mais ouais, vas-y, tu peux lancer. Mec, invité, mec, je veux dire. Attends. Putain. On lance pas, lance pourtant, pas. Dedans. Oh putain, Kylo, t'aurais pas pu le dire plus vite. Mais pourquoi j'étais exclu? Mais c'est parce que Kylo. Eh hey, les gars, on va pas passer deux heures à faire un match privé. Au pire, on coupera au montage. Hein. Ouais, je couperai au montage parce que là. Bah non, parce que je leur parle des héros. Bon, Krennic, je vous en dirai plus quand je le prendrai, si je suis impériaux. Donc Typhon, si on est impériaux, bah tu me laisseras prendre Krennic, s'il te plaît, au début, pour que je leur explique. Ah, on est et rebelle. Après, je te laisse le prendre. Ouais, bah je te laisse prendre les... Ouais, bah c'est pas grave, comme ça, tu me laisses Jean, parce que Jean, ça va, je sais la main. Ouais, voilà. Voilà. Donc Du coup, Ewen invite Kylo Ren. Ouais, bah oui, c'est fait. Mash, t'es toujours là? Ouais. Mash, il est silencieux, il parle pas, il écoute. Bah oui. Il attend son DLC avec impatience. On lance. Hugo lui est en... Ouais, mais vas-y, lance. On peut lancer. Ah ouais, trop. Personne n'a parti trouver, c'est bon. Okay. Moi bah pour l'instant, j'ai rien du tout. Non, c'est bon. OK, voilà, bah Hugo du coup a le DLC parce qu'il a réussi à réinstaller son jeu parce que je vous dis pas hier ça s'était pas un petit peu mal passé hein. Donc du coup les amis, sur les héros, franchement, ce que j'ai à dire, c'est que du côté des rebelles, je prendrais soit Luke, soit Chewbacca ou Jean. Voilà, c'est tout pour les trois héros que je prendrais. Voilà, donc je prendrais Jean au début, voilà, pour vous montrer. Et du côté des impériaux, il y en a un peu plus que je prendrais. Donc je prendrais Darth Vader, Dengar, le directeur Krennic et Bosk, voilà. Donc voici les héros que je prendrai tout le temps. Bon, les autres héros, je les prendrai, mais pas souvent. Mais voilà, ce sera les plus importants durant mes parties sur Star Wars, mes gameplays sur Star Wars Battlefront. Et les amis, je vous informe que voilà, Star Wars Battlefront, c'est terminé. Bon, ce n'est pas terminé parce qu'on pourra tout le temps y jouer, mais voilà, il n'y aura plus aucun DLC maintenant qui sortira. Voilà, les amis, c'est terminé. Ah, c'était si. Le dernier. Bah non. Si. Bah non. Je prends un solo. Ah, si. Là, il y aura un truc, une arme. Ah si. Dans les trailers, il va y avoir encore 4 nouveaux DLC. Hein. Ouais, mais ça, c'est dans le prochain Star Wars Battlefront 2, mon gars. Ouais. Là, il est terminé, Star Wars Battlefront, là, mon gaillard. Hein. C'est terminé, hein. Mon gaillard. Voilà, donc, Jean et Han Solo versus Dr. Krennic. Mais arrête de dire Dr. Krennic, putain, Plague Gaming. Oh là là. On joue vraiment ou tu veux d'abord montrer tout ça? On joue vraiment. Le directeur Krennic et ouais. Moi je dis c'est la première fois que je le joue. Hein. Ok. Alors, bah. Ouais, moi j'ai tué Tull Damor et Bantar ça, j'ai pas Bespin et Rogue One, alors je prends les roues, je veux prendre. Allez c'est parti, bon Typhon, je te laisserai Jean, on se partagera parce que j'avoue quand même garde-le, c'est ta vidéo. Attendez, là, entre amis les gars, je vous dis, elle est assez bonne quand même, elle a un petit bon cul, Jean, tu vois. Regarde là, regarde. Elle prend... Regarde ça, regarde quand elle fait ses motes, voilà, reste comme ça. mais pourquoi j'ai pas mon sandy? Ah oui, il y a aussi, les héros peuvent avoir sandy. Regarde son popotin, regarde ses gros tétés. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai vu. Voilà, donc elle a l'imposeur Sonic. Son A180 où elle peut le passer. Où elle peut passer en mode fusil. Voilà, donc un peu comme une A280C et un peu la matraque. Ou par contre, toi, t'as une mauvaise idée de faire ça tout seul. Non, j'ai pas une mauvaise idée. T'as précisé qu'un solo ou Dengar, je sais plus, il a la même vitesse. Enfin, ouais. En gros, quand il charge, il va crever l'empereur. Ah, voilà. Ouais. Mais vas-y. Bah, en même temps, tu rushes comme un con.
Bah tu pars en solo. Il faut toujours rester ensemble hein, les gars, dans un affrontement héroïque hein. Je sais pas si vous savez. On dit ça mais on s'est séparés en fait. Ouais mais bon, moi je sais manier Jin hein. Ah par contre le briseur. Ah putain mais arrête, tu fais trop mal. Attends, tu vas voir. Oh merci de m'avoir tué. C'est quoi, je vais leur montrer le garde du corps. Je m'en vais. Mais mec, bon. me tuez pas. Mais non, me tuez pas, je suis le garde du corps pour leur montrer. Mais pardon. Non. Mais c'est bon, bah voilà, les abonnés, ils l'ont vu. Non, bah je le remontre. Je suis en bas à gauche, je le remontre. Qu'est-ce qu'il est passé? Dioxysson semble m'appeler quoi? Je vais pas vous dire mon capacité, c'est sa capacité, mais je sais de vous les montrer. Non! Merde. Ah, elle récupère la vie. What? Oh non, ça fait mal le coup de matraque, hein? Oui, ça fait mal. En même temps, faut pas que tu partes tout seul, Killoren, hein, parce que sinon, moi j'ai pas de chance, j'ai aucune chance. Je prends voilà, vas-y, je te laisse Jin. Voilà, donc les amis, pour ce petit gameplay avec Jin. Je suis pas sûr de la gérer, là. Je l'ai eu qu'une fois puis je me suis fait défoncer en 2-2. Du coup on a pris Luc, oh y'a Vador et Directeur Krennic. Ils ont même pas vu le garde du corps mais comment tu étais rapide à me tuer? Bah si, ils ont vu un petit peu, ils ont vu mais le cadavre le machin il fait 2 mètres le garde du corps, c'est un truc de ouais. Fou. Ouais. Ça fait bonjour. Donc après les amis, je suis pas sûr de vous montrer le directeur Krennic parce que voilà, après je dois manger et tout, donc du coup on arrêtera la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo où je vous montrerai les habiletés de directeur Krennic et je ferai une nouvelle vidéo des présentations des héros, voilà, parce que j'en avais fait une du côté des rebelles, mais il faut que je fasse maintenant que je recommence. C'est parti. Au pire, ce que ah tu oui, fais, et n'oubliez pas de vous préciser que pour les affrontements héroïques, c'est deux manches de trois, c'est deux parties de trois manches, alors, deux parties sur la même map, mais trois ouais. Manches. Ouais voilà, donc maintenant c'est plus 3 manches, c'est plus 5 manches, c'est 5 manches, c'est plus que 5 manches, c'est 3 manches. Il m'a enlevé 15%. What? Mais j'étais hyper aveuglé là, c'est aveuglé. Je suis pas bien. Je suis un peu pas bien là. Oui bah je suis en train de faire autre chose si tu savais mec. Je suis vraiment pas bien là. Je suis à 27 de vie, je suis pas bien. Oh Luc, tu calmes. Luc, tu calmes déjà, je suis pas ton pote, je suis ton père. Non, je suis ton père. Je me suis fait un peu défoncer. Un peu normal aussi. Je viens t'aider, Panda. Ce que je disais, Panda, au pire, ce que tu fais, c'est que. Tu sais, tu. Ah bah je l'ai. Voilà. Voilà, ce que tu fais, c'est que tu refais une vidéo après, puis au montage, tu les colles. Hein. Ouais, c'est vrai, je peux faire ça. Mais vas-y, mais c'est quoi ces héros? On peut pas perdre. Bon, vas-y, je reprends. Je reprends Jin. Oh non, vas-y, je prends Chewbacca, vas-y. Okay, bah, je sais pas qui prendre. Nyan Noob. Tu vas peut-être faire moins de YouTube Money, mais tu vas peut-être faire. Bon, tu sais, c'est pas la YouTube Money qui m'intéresse, c'est les vues, les abonnés. Non, hein, c'est ce qu'il y a, quoi. Les likes. Ouais, voilà. Par contre, la papuche, tu arrêtes de m'envoyer un message en pleine vidéo. Désactive les notifs. Ouais, c'est vrai. Je peux parce pas parce qu'après. Vidéo. Voilà. Allez, Chewbacca. Et puis, je vais essayer de vous tester, de vous faire ça, les gars. Donc, on ira assez vite, franchement, pour les impériaux. Au pire, là, si tu veux, on coupe. Tu coupes l'enregistrement. Puis après, ouais, voilà. Tu colles. Hein. Allez, c'est parti. Là, tu m'as. On a perdu d'avance, hein, parce que là. Ouais. Et voilà, maintenant Berserker, vous pouvez l'utiliser pendant 12 secondes. Vous pouvez être Berserker niveau 3 pendant 12 secondes au lieu de 10. Attends, je suis pas encore arrivé. Ouais. Bah, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que là, ma mère m'a dit d'aller à table. En plus, ils sont un petit peu tous les deux contre moi, s'il te plaît. Ouais. Mais viens, on rentre dans les grottes. Viens, viens voir. Là, on peut rien faire. Hein. Allez, dégagez! Je finis ma partie, allez, attends! Non, tu finis surtout ta vidéo. Oui, je finis surtout ma vidéo, ouais. Mais genre, depuis tout à l'heure, je te touche pas, c'est sérieux? Ok, comment t'as su que t'allais balancer ta grenade ici? Mec, depuis tout à l'heure, je te touche pas! En gros, hein. Oh oui! Mec, laisse-la moi! Ça va et toi? Salut tout le monde!
Mais tu fais chier toi. Salut. Putain mec, t'arrêtais pas de me focus. Non, j'ai pris seulement le joueur qui était vers moi hein. Bah mec, excuse-moi, t'as pas arrêté de me focus hein. Dans la grotte, dehors Oui, attends. Bon bah allez, on va se laisser là les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien aimé le DLC Rogue One. Voilà, donc désolé, il y a ma mère encore qui s'interpose, ça me saoule, j'en ai marre, voilà. Vous verrez tout le temps, peut-être presque tout le temps ça dans mes vidéos. Donc je suis désolé. Mais j'ai laissé un pouce bleu. Voilà les amis. Tu te tais, ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est moi qui dis. Donc les gars, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez mes vidéos. Et sur ce les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Oubliez pas ma chaîne. Ouais, bah tu me donneras ta chaîne, comme ça je mettrai la chaîne en description. Donc les amis, on était avec Mash, on était avec Typhon, on était avec AYMinen, on était avec Hugo GM et on était avec Calorain, Noé. Bisous les amis, c'était Plekka Gaming. On se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos.